parcours, c'est un bien grand mot. Je pense que ce serait prétentieux que de dire que j'ai un parcours. Disons, alors j'ai fait un petit chemin depuis le début. Je pense que depuis ces années 90 en Afrique, où je suis arrivée à une certaine conscience de ce qui se passait, de cette violence qui nous entourait. Et je crois que tout a commencé là. Je pense que j'ai... Et puis, ce fut le moment où j'ai eu à faire des lectures qui m'ont marqué. J'ai lu des écrivains de l'absurde, j'ai lu des classiques africains, j'ai lu un Tiarmoné Nembo qui raconte donc, la violence d'une certaine dictature. Donc, je pense que tous ces moments-là et ces lectures m'ont vraiment amené de façon assez naturelle à prendre ma petite plume pour tenter aussi de m'exprimer, pour tenter un peu aussi de... Eh bien, d'échapper à cet univers dans lequel je vivais. Pas parce que j'aimais pas mon environnement, mais je pense que je l'ai souvent dit, j'étais un gamin très très timide, donc il me fallait fuir un peu, il me fallait rêver. Donc ça a été, eh bien, un moment de liberté, un envol, je dirais. Alors, on est dans un lieu que j'ai toujours trouvé très, très beau, quelle que soit la saison. Donc, nous sommes à Pointe Gatineau, donc au Quai des Artistes, donc sur les bords de la rivière des Outaouais, un lieu très charmant, agréable et, je dirais, bien inspirant. Ben oui, je pense que oui, l'engagement, c'est un grand mot. Je pense qu'il y a des écrivains qui, même s'ils ont écrit des livres très importants, des livres très très forts, on pris les armes. On n'oublie pas Charles Péguy qui est mort au premier jour de la Grande Guerre. Mais je crois que les mots peuvent être, comme disait l'autre, des pistolets chargés. Je pense que simplement en posant la question, en posant ces questions qui comptent, je crois que la littérature peut servir à quelque chose. Donc susciter un débat, faire en sorte que eh bien, le monde ne dorme pas sur ses lauriers. Je crois que dans ce sens-là, la littérature peut être une sorte d'engagement. Donc l'engagement, eh bien, aux côtés de ceux qui souffrent. L'engagement aux côtés de, eh bien, à ceux qui veulent rêver et vivre une vie autre. Et voilà. Moi, je dis souvent que, eh bien, dans mes bouquins, je m'intéresse à ceux qui sont, eh bien, cantonnés dans une certaine marge par notre société, notre grande société capitaliste. Bon, je pense que oui, être du côté des plus démunis, c'est une façon aussi d'essayer de construire, de dire un monde autre, différent, plus beau peut-être. Ben, du côté des plus démunis, oui, je pense que c'est, encore une fois, c'est assez prétentieux. Alors, dans mon dernier roman, on a cet ancien planteur, Toby Kunta, qui essaye de faire sa révolution. Donc, et oui, c'est un planteur qui a été ruiné par l'aventure du coton transgénique. Et avec ses amis, avec ceux qui lui ressemblent, des amis planteurs, ils vont essayer, eh bien, de se faire entendre. C'est des démunis, donc c'est des gens qui ont été spoliés par une certaine firme nord-américaine qui leur a promis le salut, le grand rêve, la richesse. Et je pense que oui, donc Toby, ce personnage-là, va être du côté de ceux qui n'ont rien, de ceux qui espèrent avoir quelque chose, hein, de ceux qui simplement veulent vivre une vie décente. Oui, je viens de Lomé, donc la capitale du Togo, donc sur la côte ouest africaine. Et donc c'est une ville qui est donc sur un bord de mer. Alors c'est un lieu qui m'a toujours inspiré. Le rapport à l'eau, le rapport à l'océan, à la rivière, et pour moi important, et je crois qu'il y a un double rapport. Je pense que je le vois un peu entre l'émerveillement, entre la fascination et entre aussi une menace. C'est-à-dire que c'est beau, on a envie de faire une balade sur la rivière, mais c'est aussi une source d'inquiétude permanente. Pour ceux qui, à Lomé, eh bien, sont près du bord de mer et qui subissent un phénomène atroce d'érosion, pour ceux qui sont ici à Pointe Gatineau et qui sont très inquiets quand arrive le printemps. Ouais. Mais parce que alors pourquoi dans mes romans, eh bien, les personnages semblent toujours en mouvement, semblent toujours à la recherche de quelque chose ou d'eux-mêmes. Mais je sais pas, c'est parce que peut-être
Il y a une part de mon histoire dans tout ça. C'est assez tôt, à la vingtaine passée, j'ai quitté l'Afrique. J'ai vécu quelques années en Europe, donc avant de m'installer ici au Québec. Donc je pense que c'est de façon quasi inconsciente, on y revient dans la fiction. Donc, et dans mon dernier roman, Noces de coton, il y a ce personnage de Will Robinson, le narrateur qui est journaliste, qui court le monde, qui s'intéresse au monde paysan. Ben, je pense que la route nous construit. La route nous construit, c'est un lieu d'expérience, c'est un lieu de danger. C'est un lieu qui nous grandit finalement. Donc, pour avoir lu Jack Kerouac, pour avoir lu Cormac McCarthy, La Route simplement. Et donc j'y reviens simplement parce que c'est pour moi, évidemment, la destination compte. Et mais la question que je me pose souvent, est-ce que le parcours, est-ce que le chemin n'est pas plus formateur quelque part? Alors, le moment qui était comme un déclencheur dans mon parcours, eh bien, c'est quand j'ai commencé à lire les écrivains de l'absurde. J'ai lu Beckett en entendant Godot. Godot qui n'est jamais revenu. Et on était à Lomé à l'époque. Et il y avait bien de ces garçons, de ces jeunes qui partaient manifester. Et certains ne revenaient pas à la maison. On n'est peut-être pas dans le même contexte, mais c'était quand même quelque chose d'assez fort qui m'a marqué. Et ce fut aussi le moment où j'ai lu Albert Camus pour la première fois, L'étranger. Quand Meursault dit au tribunal, je l'ai tué à cause du soleil. Comment tue-t-on quelqu'un à cause du soleil? Donc cette phrase-là, je l'ai beaucoup portée en moi. Et j'ai compris aussi plus tard qu'on pouvait, c'est vrai, crever à cause du soleil. Ce soleil dur, méchant, qui n'est pas celui du touriste. Hein, ce soleil sous lequel bien des gens sous nos tropiques doivent se battre pour exister. Voilà. Je suis auteur, c'est assez prétentieux de dire ça, mais disons que j'essaye de construire un imaginaire. Donc j'ai écrit et publié quelques livres, des romans surtout, dont Les Pieds sales 2009. On a eu la belle surprise d'une nomination pour le prix Goncourt, c'était il y a longtemps, mais après ça, il y a eu d'autres ouvrages, d'autres aventures. Je pense à Explication de la nuit, dont la version anglaise a obtenu un prix du gouverneur général du Canada. Et c'est plus une récompense, une reconnaissance pour ceux qui ont inspiré ces histoires-là. Donc ça permet de se dire que eh bien, ce qu'on fait a un certain écho, hein, que quelque part, ces questions que l'on pose dans l'imaginaire suscitent quelque part des réactions, sinon des réflexions. Ouais. Oui, le passage de la frontière, il y a longtemps, je me suis retrouvée dans un lieu de passage, un lieu frontière, à Tanger, à la pointe de l'Afrique, je me trouvais au Maroc. Et ça m'a beaucoup inspirée pour Les Pieds sales. Donc je me suis retrouvée donc, avec des jeunes qui n'étaient pas dans ma situation à moi, qui venaient de Montréal, hein, mais qui, après avoir traversé le désert africain, essayaient de tenter la dernière traversée. Traverse le détroit de Gibraltar vers l'Espagne. Donc, et pour eux, c'était c'était l'acte ultime. C'était la chose ultime à tenter, hein, et bien pour la liberté. Donc, et comment faire l'impasse, et bien d'une telle expérience, hein, d'un tel vécu quand vous vous mettez à écrire un livre. Donc, ça a donné les pieds sales. Ça m'a permis, et bien de construire d'autres personnages. Comme Ito Baraka, par exemple, dans Explication de la nuit, Ito qui a eu également sa part de traversée. Donc, il y a toujours un moment où eh bien, mes personnages font une traversée. Alors, bonne question, quelle place occupe la frontière dans mon travail, dans mon rapport à l'écriture? Je dirais une place assez importante parce que la frontière, c'est un lieu de passage. Quand c'est trop fixe, hein, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Hein, je pense que je suis toujours à la recherche de cette mobilité-là. Et donc là, on est au Quai des Artistes. Et il suffit de regarder un peu plus loin, on a Ottawa et Gatineau. Et j'ai vécu la même chose à Lomé. Lomé qui est un espace francophone. Mais dès que vous traversez la frontière,
vous vous dirigez vers le Ghana, vous rentrez dans un espace plus anglophone. Donc j'ai retrouvé cette dualité ici. Et c'est un enrichissement pour moi, d'abord, la frontière. Mais la frontière, c'est aussi un lieu de danger. Un lieu de danger, je repense à tous ces migrants qui, encore au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, tentent du côté du Maroc, du côté de l'Espagne, ils essayent de traverser une frontière pour aller vers un rêve. Donc je crois que c'est ça. La frontière, pour moi, longtemps, ça a été aussi quelque chose qui séparait d'un certain rêve. Mais c'est aussi un lieu de salut, je m'explique. Quand c'était compliqué politiquement, quand c'était devenu assez violent dans ma ville, bien des gens devaient fuir. Ils traversaient la frontière vers le Bénin ou vers le Ghana, et donc c'était la chose à faire, simplement. Donc oui, la frontière a une place importante dans ce que je fais, et elle a un sens, je dirais, pluriel. Alors, en tant que papa, la place que l'espoir occupe dans mon regard, dans ma vie de papa aujourd'hui, je pense que l'espoir, c'est les jeunes, c'est cette lumière que je vois dans les yeux de mes garçons. L'espoir, c'est de me dire que eux, ils vont vivre peut-être un monde autre. C'est-à-dire que ils vont pas vivre, vont vivre une aventure différente, qui pourra les mener à construire quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est ce sont ces jeunes qui arrivent et qui portent leur propre folie, leurs propres rêves, leurs propres désirs. Donc, je pense que pour moi, c'est ça. C'est vrai que mes bouquins peuvent, de prime abord, paraître assez durs, mais je dis souvent que le personnage qui souffre et qui lutte, il le fait parce que, justement, il essaye de sortir du tunnel. Et c'est peut-être ça aussi la démarche. Écrire pour sortir du tunnel, de la violence, de l'enfermement, du mépris, du racisme, etc. Parce que, finalement, quelque part, on se ressemble. Vous voyez, on est faisons partie donc du même monde, c'est-à-dire que nous partageons, j'allais dire, l'univers. Donc je pense que marcher en ville, marcher dans une ville, ça peut inspirer, comme je l'ai dit tantôt. Pour moi, l'inspiration, c'est ceux qu'on croise en chemin. C'est les regards, c'est les visages avec qui on dialogue. On peut s'arrêter et échanger quelques mots. Maintenant, on le fait moins, mais je pense que oui, c'est inspirant. Et moi, la nuit, j'adore marcher la nuit. La nuit, avec les lumières et en silence, on voit un chat qui traverse rapidement la chaussée. Donc, je pense que ça peut être un lieu de ressourcement. Il y a un silence, les couleurs changent. On passe de la lumière, c'est ce temps de transition, plutôt le crépuscule entre le jour et la nuit. J'adore vivre cette transition-là, quand le soleil s'en va et que la lune émerge. Je pense qu'il y a quelque chose. Voilà. Pendant plus d'une heure, j'étais resté là, dans cette salle ridicule, immergée non pas vraiment dans les univers factices exposés, mais dans mes propres et piteux souvenirs, des films d'un autre temps, avec des personnages usés, un vieux pasteur allemand hanté par Bruegel et qui voulait dessiner, son pinceau pointé vers le ciel et les doigts tachés de bleu, de rouge et d'orange, un vieux pasteur qui voulait saisir sur le blanc d'un papier la nature et les hommes et sa muse qui, tendrement, se moquait de lui. Et Toby, armé d'un briquet, s'est rapproché de mon bras nu. Le feu ne m'avait pas encore mordu la peau, mais j'ai crié « Arrête !» J'y suis pour rien. Samuel Brown a râlé, pitié. La flamèche, à 10 cm de moi, Ed Kaba a réagi, « Ne touche pas à mon ami !» Toby a ri. « Ah oui ? Pourquoi ne devrais-je pas ?» Nous travaillons activement à établir le contact avec la firme, Toby. Alors ne sois pas fou. Ce sont vos amis de la firme qui m'ont rendu fou. Je répète, 200 millions, sinon votre copain va y passer. Quand le fouet lui a brûlé le torse, Samuel avait, depuis longtemps, il savait depuis longtemps, qu'il n'y avait rien à offrir pour récupérer sa peau. Et Winnie a pleuré, parce qu'elle a eu la même pensée. C'était un extrait de mon dernier roman, Noce de coton.
C'est le roman, l'histoire d'une révolte paysanne. C'est des paysans en colère, vraiment furieux, contre une firme de biotechnologie qui leur a vendu une graine de coton qui n'a pas eh bien, tenu ses promesses. Donc voilà, on est un peu sur la route du coton. On remonte à l'histoire aussi, à l'histoire de l'esclavage également.